3. Je te torche. Ok. Allez, 3, 4. Surtout, faut pas l'interrompre. Non, vraiment, parce que ça se fait pas, tu vois. Genre, je dis ça. 3, 4. On va avoir un dépassé là. Il veut pas le regarder, je pense. 3, 4. Non, mais il disait ça par politesse. Hello, du coup, j'ai déjà eu un verre, je te jure. Un Maxi Best Of, un McDo, j'ai eu un verre. C'est génial. Et mon livreur, il arrive bientôt. Et moi aussi, j'ai eu un verre l'autre fois. C'était un verre noir. J'en ai un verre noir. Je vous montre une nouvelle vidéo. Stop. Oh bah ça se respecte. Ça se prend de où dans le YouTube game là? C'est le note pour voilà. Allez-y, allez-y vite. J'en ai Hello everyone, c'est Kalari, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et puis aujourd'hui on est avec plein de monde. Pour l'instant il n'y a personne. Mais on accueille tout de suite Margot. Ouais, je suis dans la place. Oh, c'est des accueillons. Red D. Non, c'est pas moi le deuxième. C'est Red B. Oh là là, Red B a changé. Ensuite, on accueille Zoé. Coucou les filles, aujourd'hui on va faire un super make-up. Je vais vous apprendre comment on fait pour se maquiller. Et enfin, nous accueillons Léa. Et pour finir, notre compteur qui va être là pour la soirée et tout, Manu. Je suis toujours discret, moi, quelqu'un de très discret. Zoé, mais toi là. Bah ouais, Zoé, viens là, Zoé. À partir de là, faut couper du coup parce que. Bah ouais, ça casse. Mais moi, j'avais dit que je venais derrière. Zoé, viens là. C'est lui, tu m'as volé ma place. Zoé. Oui, bah, qu'est-ce qu'il se met là pour faire la miniature? Donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un loup-garou. À la base, ça devait être plus, mais il y a des petits problèmes, tout ça. Donc, du coup, on va pas en venir au point. Donc. Donc du coup, Manu sera le compteur et donc du coup, bah, c'est parti pour la première manche parce qu'il y a peut-être plusieurs manches parce que ça va aller vite, tu vois. Donc. En vrai, il sait pas du tout comment ça va se passer, du coup, il fait genre. Ouais. On fait au fini en fait, hein, on vous explique. On était 15 au début. Voilà. Voilà. C'est une improvisation. On s'est retrouvé un peu là. Donc du coup, bah écoute, c'est parti, Manu, à toi. Yes. Bon les gens, petit problème en fait, je suis le Kalari du montage et je viens de remarquer seulement que. J'avais pas encore acheté des éclairages pour cette vidéo, donc du coup on se trouve un petit peu dans le noir vers la mi-vidéo, mais c'est pas grave, je la trouve super sympathique, donc du coup bah, je vous mets quand même la vidéo. J'hésitais à la sortir, mais quand même c'est super drôle, donc je vous le mets quand même, donc désolé si on voit presque rien vers la fin, mais c'est pas grave, voilà. Tiens. Faut pas que je me mette là, il y a le retour. T'inquiète pas, je suis passé de vous, c'est pas grave. Hein. Je suis déçu, je pensais que c'était pour moi. Mais si je suis un villageois, je vous jure que je pleure. Le village de Tirselieu s'endort paisiblement. Je parle de ça, la nuit. Voilà, il fait chier déjà. Hein. Tu veux vraiment qu'on s'en parle? Bah je sais pas, moi je te bon, prends vas-y, sérieux. Hein. Comparé aux autres, moi je te prends sérieux. Hein. Je suis à tes petits sons. Okay. Le village de Tirselieu s'endort paisiblement, doucement, tranquillement. Tout doucement et discrètement, calmement. Tu gages. Je vise personne. Hein. Parce que je parle quand je dors. Nickel. Bon, je vois que ça a du mal à s'endormir, donc je pense que je vais peut-être vous assommer, ça sera plus crédible. Ça sera crédible au moins pour la vidéo, genre. Bon allez, dormez. Le loup se réveille tranquillement et discrètement et il va désigner une personne qui va tuer cette nuit, qui va dévorer paisiblement. La sorcière, elle va se réveiller, le loup il se rendort, la sorcière va se réveiller. Et elle va décider si elle va sauver la personne désignée ou si elle va la laisser mourir. Ok, et maintenant la sorcière va désigner si elle va vouloir tuer quelqu'un. Quel passé meut. La sorcière se rendort paisiblement et maintenant c'est la voyante bavarde qui se réveille discrètement et qui me désigne une personne qui veut désigne voir. La carte. Et la voyante se rendort doucement. Le village de Tirselieu se réveille. Ah bah quand même, c'est dans le calme. Franchement, doucement. Et personne n'est mort. Ah bien.
Oh merde. Putain, il la voyante, quand il a dévoré. La voyante a vu un des villageois. Très à vous de voter. Okay. Il y avait combien de villageois? Deux villageois, un loup, une sorcière et une voyante. Alors, étant Calari, le chef de cette vidéo, je vous laisse la parole. Bon, on va faire un vote à main levée. Qui veut tuer qui? Un, parce que comme ça, ça ira plus vite. Moi, je vote, je sais pas, j'ai envie de voter pour Redbé, je sais pas pourquoi. Ah bah oui, bien sûr, je sais pas pourquoi. Bon, et on va décider là, parce que franchement, là, c'est bon, il va bientôt faire nuit, on va devoir se recoucher. Ça va être long. Bon, moi, c'est pour lui. Bah, moi, je vote pour toi pour égaliser, parce que je suis contre ton vote. D'accord. Alors, t'es avec moi? Ouais. Ok, donc je vais tu veux pas te défendre? Ça se trouve, t'es peut-être pas le loup, donc si t'as envie de tuer les deux. Oui, t'as le droit de te défendre. Mais t'as pas le droit, on a pas le droit de dévoiler sa carte aux autres joueurs. Mais on doit se défendre avec des phrases explicites. Ouais. Donc si tu veux te défendre contre son vote. Tu votes qui déjà? Vous êtes pas. Alors vous êtes pas obligé de voter. Non, vous n'êtes pas obligé de voter. Ah, donc il ne peut pas y avoir de mort. Il ne peut pas y avoir de mort ce soir. Si, en cas d'égalité, il y aura un deuxième vote contre ceux qui sont égaux. Par exemple, s'il y avait deux votes contre Louis et deux votes contre Redbé, Calari et Redbé, eh ben, ça serait passé contre deux seulement, après. D'accord. Si ça fait encore égalité une deuxième fois, personne ne meurt. Bah écoute, plus zéro mort. Comme ça. Ouais, de toute façon, ouais. Bah, c'est compliqué. Moi, je dis ça, mais il y a les deux filles qui font des messes basses hein, là-bas. Hein. L'avenir compte. Non, bon. Donc, alors, à partir de. Dans 10 secondes, le vote commencera. Ok, bah, il vote pour. Personne vote pour qui hein. Personne vote pour qui? Personne vote pour personne. 3. Comme ça. 2. 1. Pas de vote? Non, pas de vote. En cas d'égalité. Deuxième tour de vote. Ah, vous pouvez voter en ninja hein, au dernier moment. Ah, oui. Et s'il y a personne. Deuxième vote. 3. Il sert à quoi celui-là? Bah, c'est en cas d'égalité, il y a un deuxième vote. Ah, mais là, il n'y a pas de vote là. Donc là, avant que je dise 0, s'il y a quelqu'un qui ninja quelqu'un, ça veut dire qu'il vote au dernier moment, il peut. C'est vrai qu'il fait ça, je vous jure que. 3, 2, 1. C'est fini. C'est ça, vas-y. Tu peux arrêter la musique s'il te plaît parce que. Non, écoute pas. Oui, mais après, le droit d'auteur, hein, c'est qui va devoir. Bim, c'est moi. Je la referai. Le village de Tiercelieu se rendort. Encore, oh, vas-y. Pour une nouvelle nuit. Une nouvelle nuit dans l'horreur. Qui se déroule. Elle commence par une pleine lune qui se lève. Et le loup-garou ouvre les yeux, se réveille et désigne une personne à tuer. Non, c'est court, la pleine lune, c'était il y a 2 jours. Elle va aller dans la cabane de quelqu'un. Elle va aller dans la cabane. J'ai une villa, wesh. Et elle va le dévorer. Le loup s'en endort. Vas-y, rendors-toi avec mes couilles. Et la sorcière va se réveiller. La sorcière va désigner si elle utilise sa potion de mort. La sorcière se rendort. La voyante se réveille pour cette deuxième nuit et demande encore aux esprits de regarder la carte d'un villageois ou de quelqu'un d'autre. C'est à pleine lune, j'ai envie de danser. C'est pas à pleine lune. Il a dit que c'était à pleine lune. Et la voyante se rendort. Peut-être pour la dernière fois. Ouh. Oh, suspense. Oh my god. Oh, terreur. Le jour se lève. Oh my god. Doucement. Je crois que je suis réveillée par le soleil. Et à l'aube, le village se rend compte que la voyante est morte. Ah oh, la voyante parle quand même. La voyante qui était. Ni l'autre que. Redbé. Oh! Je te donne la carte. Putain, il y a un loup-garou parmi nous là! Serre-moi pas la main à son fils! Mais avant de mourir, avant de rendre l'âme une dernière fois, la voyante a vu la deuxième villageoise. Ok. Mais c'est qui la voyante? Bah, elle est morte, elle sert plus à rien là! Hey, tu suis le jeu ou tu suis pas? Faut rien savoir! Je suis. Voilà, je préfère. Les débats sont ouverts. C'est bon, vas-y, tu m'en suis. Le village suspecte n'importe qui. La voyante, elle est morte, elle peut partir, elle sert plus à rien. Ça, hein. Ou elle peut débattre, elle peut débattre. Ah, elle peut quand même débattre. Mais t'as pas le droit de vous voter. Okay, ouais, normalement, je mets un drap, mais. Elle peut servir un verre aussi.
Ok, bah moi, je sais pas pourquoi, mais je sens que... En fait, la voyante, normalement, non. Tu caches pas ton jeu, toi, des fois, donc... Ou tu restes là, mais tu dis rien. Je dis rien, ok. Ok. Moi, je vote pour Margot parce qu'elle cache bien son jeu. Elle me parle pas la nuit, mais c'est comme si elle loup-garou. C'est comme si elle, hein. Donc moi, je vote pour Margot. Après, à bout de... Vous avez le droit de vous défendre. Oui. Bon, vous êtes prêts, on va faire le vote à main levée. Moi, comment je me défends? C'est le compteur qui décide. Oui, c'est le compteur qui décide. Le compteur, dépêche-toi. C'est quoi ta défense à toi? Non. Ah, merde. Ta défense? Bah moi je dors dans ma villa tranquille, on me fait chier la nuit et c'est bon, moi je démarre. Hein. Je suis en train de danser parce que ça brûle et puis on me dit que non, on ne faut pas danser parce que c'est pas à pleine lune. Non, je suis pas réveillée. Bah non, je suis dans mon lit, je fais... D'accord. Moi je dis les deux filles à côté, elles sont très silencieuses, très suspectes. Il veut trop se justifier, donc tu as quelque chose à te cacher si tu veux te justifier. Ah ouais, vous pouvez... Ah ouais, tu veux jouer à ça, vas-y. Vous pouvez demander la défense d'un autre joueur sans forcément voter. Moi je joue pour Louis, pas trop. Ouais, ouais, vas-y, fais-toi, on va jouer. Ouais. Les votes vont commencer. Ok, vas-y, dépêche-toi. Avant la fin du décompte, vous allez devoir pointer quelqu'un. Ok. Une fois le décompte terminé, ce sera plus possible. Okay. 3, 2, ah, 1, 0. Trop tard. Un pour Calari, une voix pour Calari, une voix pour Zoé, une voix pour Margot. Deux. Deux? Ah, deux, oui. Voix pour Margot? Non, non, la voix. Ah, ah, une voix. Non, mais en gros, deux pour la voix. Égalité, égalité pour ce soir. Okay. Je sais pas, toi tu parles pas beaucoup, tu sais, je te connais pas encore. Mais avant c'est pas villageoise, ma chérie, franchement. Mais avant la fin de la journée, comme il y a une égalité, les villageois décident de faire un deuxième vote. Okay. Et il leur reste 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je sais pas, je suis bloquée sans Zoé, je sais pas quoi. Il y a tout qui cloche. Bon, en fait, c'est à... Si, il y a deux votes pour Zoé, non? Non, moi, ah, t'as voté. Ah, ok. Ça fait 1-1-1. Ok, vous avez pas voté, vous vous battez les couilles. Moi, j'ai voté pour lui. Bah, moi, j'ai voté pour... Ah, ok. Donc, il n'y a que égalité encore là. Il y a encore égalité, moi, je sens. Okay. Donc, il y a encore égalité. Donc, personne ne meurt ce soir au village. Oh, putain, vas-y. Le garou, il va recommencer. Voilà, c'est et bon, vous allez vous endormir de nouveau. Vas-y. Pour une troisième nuit. Je me rendors tendu, là. Je suis tendu. Je suis tendu comme un string. Non, mais il y a mon Uber Eats qui a une minute, là. D'à côté, Zoé, pardon. T'inquiète pas. Elle a commandé McDo pour ce nouveau savoir. Le village de Tiercelieu se rendort. Ah, c'est bon, j'en ai déjà. Pas, c'est qui pour la troisième nuit. Et si McDo il arrive en plein milieu de la nuit, elle peut se réveiller. Bah, elle peut se réveiller, mais elle peut être aussi considérée comme un loup. Est-ce que je peux me réveiller pour ma commande? Vas-y, tu peux te réveiller pour ma commande. Et tu ramènes McDo, vas-y, ma chérie. Le loup se réveille. Discrètement. Et désigne une des personnes qui va mourir ce soir. Je sais pas pourquoi je parie que c'est bon. Au bout de cette troisième nuit, la sorcière. Se réveille. C'est quoi la sorcière? Bah, la sorcière. Non, il n'y a personne qui est d'autre qui est mort. Il n'y a que. Ah, mais la voyante, c'est toujours la même. La sorcière se réveille et décide d'utiliser une potion de vie ou une potion de mort. Ah, elle a des potions à chaque tour. J'ai pas le droit de vous informer si elle a encore une potion ou pas. D'accord. Elle va décider d'utiliser sa potion de vie. D'un côté, la potion de vie, c'est peut-être alcool. Et après, elle va décider d'utiliser sa potion de mort. À boire de modération. La sorcière se rendort et le village se réveille. Pouce bleu si tu trouves que Calari parle trop. Le village se réveille, mais deux victimes sont à déplorer. Ou devrais-je dire deux morts sont à déplorer. Bienvenue les reilles. Car la première victime était nulle autre que la sorcière. Ah, donc c'est pas moi. Étant Zoé. Ouais. T'as vu, j'avais dit que c'était pas loup-garou. T'as vu, ma chérie, moi je votais pour toi, j'étais gentil. Ah non, merde, non, sorcière, t'es vivante en fait. Je suis con, non, vas-y. C'est pas comme ça, c'est que la sorcière. Ouais, non, mais non. Ah, bravo, elle a arrêté. Hein, la villageoise, elle est morte. Ah, t'as tout sur moi, t'as tout sur moi. Et pour la deuxième mort. Bah, c'est moi du coup. Ah oui. C'est le loup. Oh putain, c'est peut-être toi le loup. C'est toi le loup. Bah. T'es con. On a gagné, ma chérie, on est bien tous les deux. Le village de Tiercelieu remporte cette guerre infernale contre les loups-garous. C'est moi qui a je fait porte plainte. En déplorant trois victimes. Je porte une grosse plainte. Vas-y. Il y a eu un putain de problème. Parce que tout à l'heure, quand tu m'as demandé qui je voulais savoir, je t'ai dit lui-même. Je t'ai dit sur le côté, non, parce que je suis pas d'accord. Mais en fait, toi, c'est moi j'avais demandé non, c'est bon. Elle, c'est ton à côté. Et j'avais, tu m'as donc répondu que c'était une villageoise. Or, j'ai compris que elle, c'était la villageoise. Non, je crois que c'était elle, la sorcière. Dans tous les cas, la nuit. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gens. En tout cas, c'était une petite partie.
Ah oui, parce que avec le montage et tout, ça va durer. Arius. Voilà. On se retrouve toujours avec les meilleurs. Hein. Yves Saint Laurent. Hein. Bah, c'était le mien. Yves Saint Laurent. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est ma marque. Au revoir. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à suivre Red Day, à suivre. Moi, j'ai une chaîne YouTube. Zozo. Moi, c'est. C'est bon. Enfin bref, vous aurez tout en description et moi je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Canary. Manager, hein. Mais si narrateur, ouais. Merci Manu. Narrateur, ouais, compteur, tout ce que vous voulez. Narrateur, et donc du coup bah moi je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'est Canary. Bisous aux fesses, bye tout le monde. Et par contre désolé si il faisait un peu sombre à la fin.